Ah, ça va me casser le... Ça va me casser le carreau, là. Oh là 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 là. Regardez les grêlons, là. Bienvenue à Lyon, mois de juillet. Bah, mais là, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Hein. Bah, ça a duré. ça a duré 3 minutes. Hein. Je sais La grue qui était là-bas, je l'ai vue disparaître tout doucement. Et il y a la grêle qui est arrivée très fort là, d'un coup. Mais là, c'est quand même assez incroyable. Des conditions exceptionnelles pour un mois de juillet. Bah, comme il y a eu en Allemagne, en Belgique et un peu partout en Europe là ces derniers temps. Mais... Ce qu'ils appellent une goutte froide. Le sol est chaud. L'air qui est en haut dans les nuages est froid, donc ça favorise la création de nuages et les précipitations forcément. Mais on n'est pas aux États-Unis, on n'aura pas de tornade, mais c'est un peu dommage d'ailleurs. C'est bien dommage de ne pas avoir ces phénomènes en France là. Et il y a l'orage, enfin le tonnerre qui commence à se faire entendre. On va voir doucement réapparaître la part Dieu au fond. Donc bah, quand c'est comme ça, évidemment, position d'attente, hein. Tout le monde à l'abri, parce que là, vu les grêlons qui sont tombés, ils ont beau avoir un casque, je pense que ça va pas être rigolo. Et bah bon week-end à ceux qui sont en week-end là et aux vacanciers, bonnes vacances. On est à la mi-août, à la mi-pardon, au milieu de l'été, juin-juillet, donc bonnes vacances à tous, allez à plus tard.